tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Craft the World en compagnie de nos nains. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Bah déjà, on va replacer correctement les blocs qui ne sont pas... Ah zut, j'ai loupé. Voilà. Ça, on va le mettre comme ça, et lui comme ça, très bien. Ici on creuse. Pourquoi une musique d'attaque, on n'est pas attaqué là? Bon, peu importe. Donc aujourd'hui, on s'occupe des petites broutilles. Ouh, Emmanuel, livre de grimpeur. Ok, chouette. Bien, plus de musique. Donc aujourd'hui, on s'occupe de creuser. Et pour ça, on va prendre un nain creuseur, un bon mineur, et on va aller explorer les tréfonds de la map. Alors, il va nous falloir quelques échelles. 10, ouais, 10 c'est bien. Ça, comme il n'y en a plus besoin ici, on les enlève. Et on va essayer de trouver le coin le plus profond de la map. Là, c'est pas mal. Ah, mais c'est pas creusé. Bah du coup, ici, je pense que je vais passer par ici. Je suis en train de me perdre. Non, là. Là, c'est bien. Ok, je vais passer par là. Donc, maintenant que je me suis décidée... Hop, oui mais c'est pas grave. Il me faut un nain. Sélectionner un nain. Toi tu es Motsonir, Brenor, Prof, Gurdil. Gurdil j'aime bien. Contrôle. Ah c'est toi? Bah ok, je croyais que c'était celui qui était là. C'est nickel. Alors Gurdil, ce qu'il va faire, c'est qu'il va descendre dans les tréfonds. Je vais y arriver donc. De la map. Pour ça, tu descends mon coco. On va se balader un petit peu. Ce qui est très agréable avec les nains qu'on contrôle nous-mêmes, c'est qu'ils ont tendance à être beaucoup plus doués pour ne pas tomber. Et c'est très agréable. Allez, vire-moi ces petites bestioles avant qu'elles arrivent. Hop. Et là aussi, nickel. Donc maintenant, tu creuses ici. Gurdil, t'es censé être un bon mineur, hein, tu sais. Tu nous mets ça, ça. Hop, on creuse. Alors pourquoi je fais ça? Parce que j'aimerais exploiter un petit peu le sous-sol. Or pas, oui, le sous-sol évidemment que je l'exploite actuellement, mais plus encore. Vous allez comprendre pourquoi. Ici, je vois qu'on a une petite zone, je sais pas si je peux... Non, je peux pas encore l'éclairer, ça va pas tarder. Vas-y, creuse ton bloc, mets-moi des échelles. Et maintenant, je peux... Ah, c'est bon, je suis juste à côté. Ah oui, non, là d'accord, c'est un bloc de terre d'ailleurs. Alors, eh ben, tu vas nous mettre ça. Et puis tu vas creuser, puisqu'en dessous, ça a l'air d'être plutôt tranquille. Allez, creuse. Une échelle, une échelle. Et là, tu peux pas. Parce qu'il y a de l'eau. Eh ben, tu vas enlever l'eau. Tu peux pas? Ok, donc laisse tomber ça. Tu vas enlever l'eau depuis ici. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, encore une fois. Ok. Donc maintenant, je pense qu'il ne doit plus y avoir de problème. Ouais. Qu'est-ce que tu fiches? Alors, récolte-moi un peu d'eau. Allez. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux pas? Ça t'embête? Bon bah alors creuse. Je t'ai donné trop de trucs à faire, c'est ça? Hello, est-ce que tu es toujours parmi nous? Contrôler. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi?
Allez, vas-y, fais quelque chose, réagis. Sélectionner un nain, contrôler, oui. Tu as bugué? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu veux en parler? Allez. Ok, celui-ci tu veux bien. Là tu veux bien, nickel. Je sais pas pourquoi, il a eu un petit coup de mou, notre Gurdil. Bien. Allez, mets-moi des échelles. Regardez, je crois que c'est du mithril. Ça coûte pas grand-chose d'aller voir. Après, je crois qu'on est là où on veut être. Allez, monte voir. Pourquoi il y a des bruits d'eau? C'est-à-dire que c'est un peu long. Allez! On a toute une tripotée là-bas. Oui, je crois bien que c'est soit des cristaux. Descends, fais quelque chose. Soit du mithril. Hop, je suis attaquée. Je pense tant que ça le dit qu'une fois, ça doit pas être bien grave. Ok, c'est plus rapide quand on accélère le temps. Rien de surprenant à ça, on est d'accord. Ok, donc là maintenant, on va mettre un peu de lumière. Voilà. Une zone très sympa. Où on va mettre. Hop. Une petite zone pour y aller tranquillement. Allez. Voilà. Tu descends là. Nickel. Regardez, il y a un petit dragon à droite. Donc ça, c'est exactement ce qu'on vient chercher à cet épisode. Hop. On va aussi faire ça, parce que, bref, j'ai pas trop envie de me faire attaquer par ce mignon tout petit dragon. Enfin, tout petit, d'ailleurs, il n'est pas spécialement tout petit. Hop. Alors, les dragons. Ce sont des créatures qui popent du coup à cette zone-là, qui peuvent pondre des œufs, il me semble, et un œuf au bout d'un certain temps peut donner un dragon. C'est à vérifier hein, parce que j'ai jamais vraiment exploité les dragons sur ce jeu. Hop. C'est rien. Ça, rien du tout. Je suis pas attaquée. Oh, tout de suite. Non, là tu peux pas. Bah tiens, hop, creuse ici. Ok, c'est quoi? Tu vas nous faire des échelles. Allez. Voilà, nickel. Maintenant, on va faire un petit portail ici. Et tu sais ce qu'on va faire? On va dire au petit gars de venir attaquer la bestiole. Ceci étant, elle est partie. Donc en attendant, tu mets des blocs de terre. Quand elle reviendra, on saura l'accueillir. Hop, ok, elle est revenue. Libérée. Je t'ai délivrée. Oui, c'était un jeu de mots. Et oui, il était très foireux. Bon. Sélectionner un nain, n'importe lequel. Contrôler. Allez! Mon fils. On libère. On te sélectionne toi, on contrôle. Ah, t'es bien chargé avec toute ta pierre, toi. T'es hyper lent. J'ai pas choisi le meilleur nain pour construire. Je vous l'accorde. Va-t'en. Va-t'en, petit dragon. Hop. Alors, l'idée, ce sera de faire ça sur toute la longueur de la map. Enfin, toute la longueur, toute la largeur. Hop.
Eh ben, ils sont partis loin, hein, mine de rien. Mais où est-ce qu'ils sont partis se cacher? Wow, ok, c'est bon, j'ai trouvé. On libère. Les petits gars, je vous fais un portail là. Hop. Toi, sélectionne. Regardez qui voilà. Et ça, on dirait un petit et c'est un adulte. Je trouve. Ça doit être ça. Alors, l'archer, j'ai l'impression qu'il va juste mourir. Donc, vous allez rentrer, merci. Voilà. Maintenant, vous venez me tuer le game. Tant que sa maman vient pas à l'aider, je pense qu'on est tranquille. Bah, c'est bon, tu vas mourir là quand même. Ah bah oui, il est revenu vers les nains, il aurait pas dû. Voilà, on a tué un dragon. Bon, par contre, j'ai pas croisé deux et ça m'embête un petit peu. Cristal, c'était du cristal tout à l'heure, pas du mithril. Donc, toi, on te sélectionne, on le contrôle. Et tu viens nous mettre de la terre. Hop, tu rentres. Non, c'est pas bien grave. C'est juste que je préfère éviter de me faire incendier. Tant qu'à faire. Je suis pas attaquée. Bon, voilà, c'est tout. Maintenant, les petits gars, cela dit, je peux vous faire un portail ici et vous sommer d'abattre la bête. Ça y est, vous y allez? Vous avez du mal à assimiler le principe. Mais tu viens pas de là-haut, toi, quand même. Allez. Bon, bah, il serait temps d'être un peu plus vindicatif. Agressif, méchant, pas méchant, puissant. Ah oui, bah non, non, du coup là ça va commencer à faire beaucoup s'il y a l'autre qui arrive. Non, pas au-dessus, non, 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 rentrez. Je veux pas que vous le tuiez au-dessus de la lave. Ça me déplairait. Et toi? Je sais pas où est l'autre. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quand même des tailles chez les dragons. Ok, donc là on est au bout. Et peut-être qu'au bout d'un moment, ils finissent par être assez grands pour pondre des œufs. Du coup, je veux pas te tuer, toi, parce que t'as l'air assez grand. Et si tu pouvais pondre un œuf, eh ben, je trouverais ça super cool. On va regarder un peu par ici, comment ça se passe. Oh! Chouette. Je suis en train d'user absolument tout mon mana. Mais c'est pas grave, on en a plein et de toute façon on l'utilise pas. Ok, bon alors, la zone est plutôt bien découverte du coup. Des cristaux. Ok. Les petits gars, qu'est-ce que vous faites? Je vous ai pas demandé de le tuer, à ma connaissance. Ouais, si vous le tuez, bah ok, je vous laisse faire. Mais c'est-à-dire que c'est pas une demande de ma part. L'idéal, c'est qu'ils fassent attention à leur vie, quand même. Voilà, là t'as peur, c'est une bonne chose. Et moi, je vais retourner avec mes petits gars. Ici, on a quelque chose d'intéressant, donc on va essayer d'y aller. On va creuser à partir de là. Donc,
faites-moi plaisir, creusez-moi tout ça. A priori, non, si là on peut creuser, c'est bon. Toi, sélectionner. Non, on va pas le sélectionner, on va les laisser faire ce qu'ils ont à faire. Là aussi, j'aimerais qu'ils creusent pour essayer de récupérer tout ça. Voilà. Ça, ce sera déjà bien sympa. Un œuf, ça y est, on a un œuf. Toi, sélectionner un nain. Sélectionner un nain, contrôler. En fait, je veux pas que tu casses le truc. Je veux récupérer l'œuf. Enlever œuf de dragon. Je sais pas qui s'en occupe, mais je vous laisse vous en occuper. Merci. Donc, l'œuf de dragon, pour rappel, on en a besoin dans la fabrication de plusieurs éléments. À savoir, la potion de résurrection et le gardien des âmes. On va commencer par le gardien des âmes. Il nous manque du cristal bleu, du cristal vert, on a du cristal violet, il nous faut du mithril, encore du mithril. Et donc, le fameux œuf, sachant que ça nous utilisera aussi une potion de mana. Si j'ai bien regardé. Ok, les petits gars, ça creuse, c'est nickel. Vous irez me tuer cette bestiole aussi. Là, il y a un petit bug graphique, c'est pas important. Waouh! Mais pourquoi est-ce que ça fait ça? Je ne comprends pas. Il faudrait peut-être ajouter une porte ici. Fabriquer. Est-ce qu'on a des portes en stock? Porte, c'est pas du tout là. Si, c'est là. Trappe, non, c'est pas la trappe qui nous intéresse. Il nous manque un verrou. Est-ce qu'on peut faire un verrou? Oui, on peut en faire un. Ensuite, on fait une porte. Et on va la mettre là. Voilà, nickel. Ça, on vire ensuite des graines. On a besoin d'un peu plus de graines. On va passer par là. Nickel. 18 graines. Hop, construire des blocs. Oui, je sais qu'ici, tu ne peux pas. Ce n'est pas grave. Couper. Couper. On enchaîne. Hein. Alors, ici. Hop, ça, tu me le mets de cette couleur. Ici, on veut ça, ça. Là aussi, on veut un mur en pierre. À manger, tu nous le mets là. Et là. On n'a pas une autre source de nourriture. Poisson. Ça en fera un, c'est déjà ça. Poisson. Non, le poisson cru, ils veulent pas. Mais on a de la soupe de poisson. Ça, je sais qu'ils aiment bien. Hop. Je suis attaquée. Ouh, là, d'accord. Et bah tu l'as. Comme ça, tu risqueras plus de t'attaquer. Ici on est bon, ici on est bon. Là. Du coup, je vais continuer comment? Je pense que je vais avoir besoin d'un fonctionnement un peu spécial. On va mettre ça ici, ça là. Ça, on vire. La porte, on vire. Le coffre, on vire. Une fois que tu as construit, tu pourras nous faire le plafond. Il nous faut des échelles. Hop, on va en refaire encore. Voilà. Tu nous mettras donc... oui, je pense qu'on peut continuer comme ça. Une échelle là. Ici, on change ça comme ceci. Et là, on repart sur notre petit pattern. On va remettre des colonnes noires. Je les trouve sympas, ces colonnes noires. Donc, on peut en mettre... on peut faire ça. 1, 2, 3, ça. Voilà. Ensuite, ça, ça. Nickel. Et là, vous creusez, vous creusez. Donc, ça, c'est la maison qui est en train de prendre un pattern un peu sympa, selon moi, tout du moins. Et des échafaudages, parce que du coup... On est en train de faire quelque chose qui demande un peu de mobilité. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, hop, ça, ça va être bon. Ici, donc je voudrais... Mais qu'est-ce que tu fais? Ok, fais-toi plaisir. Je voudrais que vous me mettiez ceci. Au-dessus, on mettra ça. Et au-dessus, on mettra du bois. Hop, construire des blocs, ça on enlève, vous le tuez. Alors il y a quelqu'un qui m'a signalé que ça serait intéressant, hop on va mettre ça là, d'enlever la trappe une fois que j'aurai fini cette construction. C'est pas forcément nécessaire dans la mesure où je pense mettre un deuxième totem
ici, ce qui fait que ça va faire une jointure entre les deux maisons. Je sais même pas si c'est nécessaire, en tout cas c'est comme ça que je fais. Et du coup, on n'aura aucun souci avec le fait qu'il y ait une trappe et que voilà. Et oui, c'est très clair. Ici, je sais pas si on mettrait des portes ou pas. D'ailleurs, je sais pas pourquoi là... Ouais, j'ai failli le faire tomber, le petit gars. Ok, vous êtes pas mal. Du coup, on va faire ça. Là, tu creuses. Du coup, pas tout de suite. Parce que c'est ça que je veux. Là, tu creuses. Ici, on va mettre du bois. Ensuite, on a ça. Du coup, on continuera là. Mais pas tout de suite parce que ils sont en train de construire. Il nous faut plus de pierres. Et sinon, et si on avançait dans l'arbre de compétences, hein? Donc, ici, il nous faut une tour en bois. On en est où pour fabriquer la tour en bois? Tour de l'acier. Est-ce qu'on peut se faire un peu d'acier? 1, 2, 4. Ouais, on peut s'en faire, c'est pas un souci. Je sais pas où on la mettra par contre, hein. On avisera. Et un arc en bois. Je pense que c'est jouable. Et j'aime bien que ce soit symétrique, alors j'aimerais bien qu'il y en ait deux. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut qu'on utilise parachute, on s'en fiche. Épée en acier, je crois que c'est le plus pertinent. Couper. Déjà couper, on s'en fiche. Couper. Waouh, c'est super efficace, j'adore. Je pense qu'on va en mettre une là et une là. Comme ça, s'il y a des monstres volants, ils seront attaqués. Ensuite, petit gars, vous allez me mettre de la terre là. Et là, vous voulez pas? Ok, bah je sais pas pourquoi. Enlevez le pont. Ok, maintenant je sais pourquoi. Hop. Ok, là on est bon. Tu vas me faire ça. Et là, vous creusez. Nickel. Donc, on a quoi d'autre? Ici, on s'en fiche. Les petits gars. Est-ce qu'on peut fabriquer? Non, parce qu'on n'a pas le cristal. Mais on peut peut-être faire... Ouais, on n'a pas de cristal. Et bah, on va aller miner du cristal. On en a juste ici. Livre de pêcheur. Ok, c'est cool. Je voudrais un nain ici. Je sais pas lequel, je sais pas. Mettez-moi un nain. Je veux un nain là. Il n'y en a pas un qui veut passer dans le coin. Et bah, je vais chercher un nain toute seule. Pas grave. Toi, sélectionne un nain contrôlé. Allez. C'est très pratique cette fonctionnalité qui permet de contrôler les nains, mais en même temps, j'aimerais qu'ils puissent se contrôler tout seuls. Ok, hop, tu fais ça, tu descends. Et quelle rapidité d'exécution! Ah bah voilà! Bah il suffisait que je prenne quelqu'un pour qu'ils décident de le faire eux-mêmes. Hein. Hop. Oui, bah allez-y, hein, je vous en prie. T'es pas brillant hein, comme mineur quand même. Voilà, ça c'est l'avantage de ce petit gars. Il peut creuser loin, donc on en profite. Lui, il va creuser près. On est déjà à 24 minutes d'épisode. On va peut-être rallonger un peu la durée de vie du portail. Voilà, maintenant tu me vires ça. Donc là, on a des cristaux. Sachant que c'est pas des couleurs fixes. C'est des cristaux. Non, ce que je veux dire, c'est que on sait pas quelle couleur on va récupérer une fois qu'on aura cassé le cristal. Là, on a quoi? Du cristal rose, du cristal vert. Il nous en faut du bleu, si je me souviens bien. Ok, là vous êtes en train de casser, c'est nickel. Vous irez me tuer cette bestiole aussi après. Là, on va vous mettre des échafaudages. Ah, c'est vrai, lui, il a un kit d'échelle, mais c'est trop cool. J'adore ce kit. Je trouve ça absolument génial.
Bon, alors, qu'est-ce qu'on a réussi à faire? On a réussi à descendre et à se faire une petite zone. Faudrait venir chercher l'œuf, les petits gars, là. Voilà. On a réussi à descendre, récupérer un œuf. Je pense que les dragons vont en faire d'autres. Je vais juste mettre toute la zone comme ça avec de la terre. Je le ferai avec vous. Ici, on a une petite araignée, on s'en fiche. On récupère des cristaux, ce qui va nous permettre de faire le cristal, enfin le gardien des âmes. Après ça, on aura la possibilité de ressusciter nos nains. Encore faudra-t-il faire des potions de résurrection. On arrive à avoir des salles. Ça, c'est un des boss qu'il faut tuer, qu'on s'en occupera. Mais, on est déjà à 25 minutes d'épisode. La prochaine fois, on essaiera d'avancer un peu plus l'arbre de compétences, parce que ce serait bien de réussir à l'avancer. On continuera aussi notre château, mais ça, enfin château, manoir, notre construction. Mais ça, il n'y a pas trop de problème, ça avance au fil des épisodes. J'espère que les dragons vont continuer à pondre des œufs, parce que ça va être très pratique pour nous et surtout on va en avoir besoin. Si jamais ils n'en pondent pas assez, on ira en acheter directement dans le magasin, même si ça m'embête de dépenser mes sous pour ça, faut dire que les dragons donnent pas mal de pièces, donc ça se compense. Quoi qu'il en soit, je vous invite encore une fois à laisser vos suggestions dans les commentaires. Ça peut être des défis, ça peut être des manières de faire, ça peut être des suggestions, ça peut être des défauts que vous trouvez à la série ou à cet épisode en particulier. Ça peut être n'importe quoi. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Ciao, bye bye!